J'ai beau chercher, je ne trouve pas d'idée pour mon émission de demain. Hé, papou, est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce que je peux présenter à mes copains? Écoute, Aude, j'ai pas le temps pour ça aujourd'hui. Franchement, débrouille-toi comme une grande. Toi alors, tu es tout le temps comme ça. Et toi, Koulou, est-ce que tu as une idée pour mon émission de demain? Bien sûr, ma puce. Je pense que tu peux commencer par un petit bricolage avec tonton Joël. Ensuite, tu pourras les amener chez tata Sylvie qui leur parlera de son métier de danseuse. Et enfin, on pourra tous écouter un conte avec tonton Azazou. Voilà. Waouh! Koulou, j'ai toujours la solution à tous mes problèmes. Top là! Alors les amis, vous avez entendu? C'est parti! Les amis, je m'appelle Aude. Bienvenue à l'émission Zoukoulou. Zoukoulou est une émission de télé pour les enfants qui va nous montrer comment on va faire des bricolages, qui va nous faire découvrir de nouveaux métiers et ensuite nous allons écouter les magnifiques contes du tonton Azazou. Bienvenue à Youpi Center. Maintenant, nous allons rencontrer tonton Joël qui va nous montrer comment faire un chien en papier. Vous êtes curieux? Allons-y. Bonjour, tonton Joël. Bonjour, Aude. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment on fabrique un petit chien. Ah, d'accord. Commençons. Nous aurons besoin d'un papier carton. OK. D'une paire de ciseaux. Oui. D'un crayon. Et d'un tube de colle. Maintenant, on va prendre, on commence par dessiner sur notre papier carton. Ok, nous allons maintenant ensuite passer au découpage qui nous servira de réunir nos différentes parties. Tu vois, c'est toujours comme d'habitude, on y va toujours doucement. Doucement. Tu vois, on suit les lignes là. Sur la ligne préalablement passé. Et surtout en découpant, il faut faire attention au crayon et surtout à nos doigts de ne pas de nous blesser. On y va là, doucement en suivant les crayons sur notre papier carton. Et là, c'est parfait. Voilà, on a ressorti notre tête. Nous allons passer au pliage. On passe comme ça. On y va. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Comme ça. Comme ça. Maintenant, je vais vous présenter les différentes parties. Je vous présente la tête, les pattes arrière, les pattes avant, le corps, le cou et la queue. Autre, on va passer à l'assemblage de nos différentes parties. Merci. On met un peu de colle là. On prend le cou. On colle. Ensuite, on met notre colle là.
comme ça, tout doucement. Encore. On se dessus. On prend maintenant notre corps. On colle. On colle. Tenez un peu. Tenez ça serré comme ça pour permettre à la colle de bien tenir. On finit avec notre queue. Ici. Bon, on va maintenir pendant quelques minutes. Et attendre pour que ça puisse bien coller. Ok. Ah, là, c'est bon. Oui. Mmh. Voilà notre chien. Là, ce n'était pas du tout compliqué. Pas très compliqué. Ça, je vous le remets pour votre cadeau. Waouh, il est super beau. N'hésitez pas à reproduire ceci chez vous. Maintenant, nous allons rencontrer Tata Sylvienne, qui est danseuse professionnelle. Regardons. Coucou ma petite Aude, ça va? Coucou les amis, ça va? J'espère que ça va très bien. Voilà. Ok, bienvenue dans mon univers. Je suis Messina Ifuba Sylviane, épouse Mwada. Les bébés comme vous m'appellent Tata Sylviane. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de la danse. Avant d'arriver au spectacle, il faut créer des chorégraphies. On entre en résidence de création. Parce qu'on veut faire de la recherche sur les mouvements qu'on va utiliser. Donc, quand on fait un travail de recherche, on décide de la période de création, on décide des danseurs qui vont faire la chorégraphie, on décide du chorégraphe, ou alors le chorégraphe, c'est lui qui peut initier le projet, parce que tout ça, on appelle le projet pour la chorégraphie. Donc, quand on a décidé de tous ces éléments-là, maintenant, on rentre dans la salle de résidence. On fait un travail physique, préparation physique, parce qu'on utilise le corps pour danser. Et il faut préparer son corps à ça. Et toi, en tant que chorégraphe, tu décides des danseurs ou du style de danse que tu veux utiliser dans ta chorégraphie. Quand on est prêt, on va passer à la présentation du spectacle. Et dans la présentation du spectacle, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. Il y a la production. La production, ça veut dire ceux qui vont mettre l'argent pour que les artistes qui vont jouer soient payés. Et quand vous regardez le spectacle, vous êtes content quand vous rentrez. Voilà un peu ce que c'est que l'univers de la danse. Je vous ai un peu dit de façon globale. Comment est-ce qu'on voit la danse, comment la danse se présente. Ce n'est pas que des mouvements, comme certaines personnes pensent, ou alors la danse n'est pas que pour des ratés, c'est un métier à part entière. Vous voyez, je suis mariée à quelqu'un, je suis mère d'enfant et je vis de la danse. Donc, sachez que la danse est un style, c'est un métier, c'est un art qu'il faut respecter. Et j'espère que ça va vous aider et que vous allez venir faire des cours de danse. Ok, bye bye. Prenez soin de vous. La patience. Maintenant, nous allons rencontrer Tonton Azazou qui a une belle histoire à nous raconter. Soyez très attentifs. Bonjour les amis. Bonjour Tonton Azazou. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Oui, Tonton Azazou. Voilà, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans un village. Alors, dans ce village-là, il y avait un homme qui s'appelait Elanga.
Alors on soit, et Elanga se leva et se frappa la poitrine. Alors il a dit, demain, j'irai de l'autre côté de la forêt et je ferai un grand champ de maïs. Ce sera le plus grand champ de maïs de ce village. On parlera de ce champ de maïs partout. Dans les cuisines, dans les rues, dans les salons. On parlera de ce champ partout. Mais vous savez, cette nuit-là, l'oiseau génie l'entendait parler. Et le lendemain, lorsque Elanga est parti dans la forêt pour faire son champ, il trouva que non seulement la parcelle avait été défrichée, mais le maïs avait été semé. Alors Elanga s'écria, « Ouais, la chance existe! Il ne reste plus qu'attendre la pluie et le temps des récoltes. » Alors, le temps des récoltes arriva. Elanga récolta des dizaines et des centaines et des milliers de sacs de maïs. Mais vous savez, le dernier jour de récolte, il restait un seul maïs dans le champ. Et l'oiseau génie s'est posé sur le maïs et a commencé à picorer quelques graines. Elanga s'est fâché. « Hé, petit oiseau, tu n'étais pas là quand j'ai travaillé dur. Je vais te manger. » Le petit oiseau suppliait Elanga de ne pas l'égorger. Mais Elanga l'égorgea, le découpa en plusieurs morceaux. Le petit oiseau se retrouva dans la marmite avec du piment, des oignons. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? La tomate. La tomate. Et le maïs. Oui. Et la pomme. Oui. La sauce tomate. Oh ouais. Quoi d'autre? La pomme de terre. Oui. Les carottes. Oui. Les carottes. Yes. Quoi d'autre? Brocolis. Oh là là, on applaudit que c'est fort pour elle, on applaudit. Voilà, quoi d'autre? L'ail, oui. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Le fiangwondo. Le fiangwondo, oh, magnifique. Voilà, Elanga mangea le petit oiseau qui se retrouva dans son ventre. Oui. Alors, Elanga s'est assis devant sa maison pour digérer le petit oiseau. Il a digéré le petit oiseau pendant des heures, pendant des nuits, pendant des mois. Il était là assis, il digérait le petit oiseau. Et un beau matin, paf, son ventre explosa. Merci! Mon avion, yes, mon avion, 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 mon avion, yes, mon avion,